色的回归，狗血风向，水土风风风，我用这个。Chien des Adam, on dit au camp, on a l'extérieur de la journée, mais au milieu du monde. Ah non, c'est tout, voilà! Chien des Adam, on va venir en courant à la campagne qui est là d'Adam, au Guinée. On va dans le sol, on va le revenir. Commandant Kouraï, Désiré, Brice, directeur général de l'Union sur la ville de Guinée. À vos ordres, monsieur. Le temps de police, de police, c'est pas comme ça, c'est comme ça, de police. À vos ordres, monsieur. Sous le lieutenant de police, Nguessan Yoemi, en service à la préfecture pour vous donner, commandant les opérations de la préfecture. Ah oui, monsieur le gouverneur. Sous le lieutenant de police, Sangaré Cheikh Ahmed, en service à la préfecture de police de Guinée. À vos ordres, monsieur le gouverneur. Sous le lieutenant de police, nous le président, en service à la préfecture, au commissariat de police de Guinée. À vos ordres, monsieur le président. Le commandant de police Ngoran Kou Francis en service au commissariat de police de Guinée. À vos ordres, monsieur le gouverneur. Sous-lieutenant Kwame Yassin en service à la direction régionale des eaux forêts de Guinée. À vos ordres, monsieur le gouverneur. Tadio Kofi, sous-préfet de Guinée. À vos ordres, monsieur le gouverneur. Monsieur Sendou, secrétaire général de la police de Guinée. À vos ordres, monsieur le gouverneur. Hey! Pour l'aide à moi, je vais regarder le monsieur. Monsieur Cissé, troisième agent. Directeur régional de l'environnement et du développement durable. Contre le directeur régional de l'environnement. Niamke Mathieu, directeur régional, enseignement technique, formation professionnelle et apprentissage. Et enfirmé, directeur régional du quartier national de la famille. C'est vraiment une église moderne de l'Union. Le président de la Générale.
Ah, le contrat, c'est le dernier trimestre, hein? Oui, oui. Ça commence aujourd'hui. Ça commence. La salle de l'académie. Rosan Yaouti, directeur du centre de promotion professionnelle de l'Église. C'est le gars que je connais. Vous venez là, monsieur le préfet, de poser un acte hautement patriotique. L'histoire le retiendra. Oui, monsieur le préfet, nos enfants ont besoin de modèles et de messages forts dans tous les domaines. Et c'est ce que vous venez là de leur en offrir éloquemment. Encore une fois, toute notre gratitude, gouverneur. Comme dirait l'autre, l'occasion est belle, il faut la chérir. C'est pourquoi, monsieur le préfet, si vous le permettez, je vais profiter de cette opportunité que vous m'offrez pour faire découvrir un peu plus l'école que vous avez choisi d'honorer ce matin, le Collège moderne et technique Diaby, communément appelé Diaby tout court. Créé en septembre 1995,
de Diaby compte aujourd'hui 27 ans d'existence. Cet établissement dispense tous les ordres d'enseignement, préscolaire, primaire, secondaire général de la 6e à la terminale, et enfin secondaire technique et professionnel. Cette branche technique dispense la comptabilité et le secrétariat dans les séries G2 et BT. Sans fausse modestie, de 1995 à 2000, avant la crise, l'établissement s'est vite donné un label de qualité et d'efficacité, tant sur le plan académique que sur le plan éducationnel. Ce n'est pas sans ressentir une vive émotion que je prends la parole devant vous ce matin, et la suite de mon intervention vous permettra de savoir pourquoi je suis si ému ce matin, d'une émotion qui me tient, m'étrangle pratiquement. En effet, Papa Diaby, de vénérée mémoire, dont l'établissement porte le prestigieux nom, fut l'un de nos illustres dévanciers, puisqu'il a été directeur régional de l'éducation nationale. Et pas seulement, Papa Diaby fut mon proviseur pendant 3 ans au lycée moderne de Dabou. Et Maman Diaby, que j'appelle affectueusement Maman Choco, fut mon professeur de sciences naturelles pendant que j'étais en classe de seconde. Vous comprenez pourquoi je suis tant ému ce matin, au point même que je perds mes mots. Cela dit, je vais faire un effort pour surmonter cette émotion et pour dire quelque chose. J'aimerais de prime abord remercier Madame la fondatrice et ses dévouées collaboratrices et collaborateurs de tout ce qu'ils font pour encadrer nos petits-enfants, de la sollicitude à l'égard de ce petit monde qui, il faut bien le reconnaître, n'est pas toujours facile à diriger. Je voudrais donc vous dire merci de tous les soins que vous leur apportez. Je suis heureux de me retrouver ce matin dans cet établissement que je n'ai jamais connu. Mais je suis impressionné par ce que je vois. Je suis impressionné par ce que je vois et ce que j'ai entendu. Cela me fait plaisir que nous ayons délocalisé la tenue de cette cérémonie dans cet établissement. À l'endroit des directeurs et chefs de service, dont certains se demandaient pourquoi on n'a pas respecté le programme réellement établi, je voulais leur dire qu'il y a eu un contretemps et comme une balle au bon, Madame Diaby, de passage à la préfecture pour nous présenter les civilités, a saisi cette balle au bon en offrant le cadre de cette tenue. Cette cérémonie a pour but de faire raviver la flamme de civisme, la flamme patriotique à la Côte d'Ivoire, à la jeunesse italienne. Et moi, je voulais lui dire merci. Merci pour cette occasion qu'elle nous donne. Merci pour cette occasion qu'elle nous donne de nous adresser
à nos enfants. J'ai apprécié le fait que l'hymne national a été chanté par les plus petits. Oui, les plus grands connaissent déjà, les plus petits qui l'ont chanté, ça m'a ému. Je me suis dit que la relève peut être assurée. Et c'est le sens de notre présence ici. Et le meilleur âge, c'est celui que vous avez. Vous n'avez pas de préoccupations. Les seuls, c'est vraiment penser à votre avenir. Regardez tout autour de vous. Vous voyez les militaires qui sont là. Vous voyez comment ils sont habillés? Il n'y a pas des émulations qui viennent en vous? Regardez derrière moi. Vous en voyez? Regardez en bas. Vous voyez? Voilà. C'est pourquoi je suis heureux d'être ici. Parce que tous ceux que vous voyez là ont fait l'école. Ils ont travaillé. Ils n'ont pas triché. Mais attendez, mais pourquoi vous riez? C'est vrai? Le résultat est là. Le résultat est là. Aujourd'hui, ce sont les cadres de l'administration. Il y a des femmes dedans. Il y a des hommes dedans. Il y a des plus jeunes dedans. Et puis il y a les anciens comme nous, on est dedans. Ça veut dire qu'on a bien travaillé. C'est ce modèle qu'on veut vous donner. On veut que vous soyez des enfants qui pourront prendre la relève. Parce que demain, on va partir à la retraite. Vous voyez, je prends l'exemple de monsieur le directeur régional de l'éducation nationale. Madame Diaby l'a enseigné. Vous voyez, quand il enseignait, il était comme vous. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, il est où? C'est lui qui est le directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Il commande même Madame Diaby. Vous voyez, c'est ce qu'on veut de vous.